Faut déjà éviter Mrogozani. Donc les ors jaunes les dago la mtsangadwa donc quoi qu'il a eu du mtsoyonavao donc ce mois c'est déjà le panneau tsilinivano donc on va voir là. Orlanazo. Donc, Orlanazo, le village Yamtsangadoua. Donc je ne sais pas par où commencer. Donc, comme tu vois, le village est... On va descendre au village. Je ne sais pas si ça va capter tout le temps, si ça coupe, les amis. Veuillez me pardonner. N'hésitez pas aussi à partager le live. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Alors, ça dit quoi ici? C'est plutôt calme, en Mtsangadoua. De toute façon, c'est une toute petite. Un tout petit village, d'accord. C'est pas la folie. Pour l'instant, c'est très calme. Et ton gars, ma banga double toli, toujours zababo. Allez, à toi, Kola, Arnache, tu m'as désigné ma double toli à haut. Nyumbaza toto. Ma banga toto. Ça va, ça Baza double toli, on a moyen. Donc, on a besoin de ma routine, de ma rambouille. Tout ce qui est là, ce qui est tout, ma rébelle, un guili, on a tambour. Alors, ça, c'est quoi? C'est école primaire ou c'est quoi? Alors, déjà, c'est cadenassé, ça ouvre la semaine prochaine. Alors, espace, vie effective relationnelle. Ok, ça doit être pour les petits. L'école primaire, je pense. Donc, le petit village de Mtsangadoua. Alors, voyons voir ce qui a changé ici. Quelques maisons en construction. Tout le monde veut construire à Mayotte. Hein. Chacun, la plupart des gens qui construisent, c'est des gens qui sont partis à l'étranger. Ils souhaiteraient bien perfectionner, bâtir leur maison afin de y regagner plus tard. Donc encore déchets, déchets, déchets. Petit clim HS, d'accord. Donc il y a deux routes. Bon, ça c'est si on dit sens unique, c'est-à-dire que c'est un cul-de-sac, donc on va prendre à droite. Salam alaikum. Donc on va prendre à droite. Je prends le temps hein, pour... je marche tranquillement. Là je suis en tenue de sport. Je vous garantis que je transpire parce qu'il fait chaud. Pour l'instant.
Il fait très chaud. Ici, ils ont quand même des belles voitures. Enfin, même, ils ont des belles voitures. Mais quelqu'un qui a une belle voiture comme ça, il doit avoir une belle maison. Sinon, si c'est l'inverse, là, il a mal réfléchi. Je pense que cette personne-là, parce que avant d'avoir une belle voiture, il faut avoir une belle maison. C'est inévitable. Donc ici, épave de voiture, encore une fois, les épaves qui, là, à quelques mètres, c'est à la plage. Donc, tu vois, c'est ce que je disais, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Vous voyez, la plage est juste en dessous, la mer plutôt. Il y a beaucoup de cailloux. On verra là dans un mois et quelques le frère Pain. Tsangadoua, moi vie. Bon, on va filmer un petit peu la mer. Je vais essayer de voir la mer là. Donc, la petite plage de Mtsangadoua, je pense qu'il y en a une autre là-bas. Mais vous voyez, quand vous allez y aller là-bas, vous pouvez vous baigner tranquillement. Il n'y a personne en plus. Il y a une grande là et une petite à côté. Donc, tout ça ici, là, tout le monde se baignait ici à un moment donné. On est venu jusqu'ici pour baigner ou pour pêcher certaines personnes d'entre nous. Bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup... Hein? Il n'y a pas beaucoup de personnes d'entre nous qui est venu jusqu'ici. Donc là, vous avez plus la plage, on va se déplacer. Hein. Toujours à Mtsangadoua. Il y a le collège au-dessus, mais je pense qu'on va y aller après. Et ma bangaya, allez. Et ouais, ouais. Ah, c'est une boutique. Ça, moi, quoi. Ça. Ah, bah, les boîtes. Alors, on va voir les boîtes. Ça, moi, quoi. Boîtes. Allez, comme ça, la mousse, est-ce qu'il a bira mon nom? Ouais, ouais, quoi. Bon, la mosquée de Mtsangadoua, ici. Mosquée, je sais pas combien de mosquées il y en a, mais en tout cas, c'en est une. Celle-ci. Hey, salam alaikum, ça va? Ah, et où est à quoi les joules? M'doit toucher la carte, on n'a pas comme toi, les gays. Où est-ce que tu passes au bout de la plage là-bas? Ouais. De là, tu peux monter. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas une route spécifique qui t'amène. Ouais, ok, ok. Merci. Donc ici, je pense qu'il va y avoir une extension de mosquée. Parce que c'est que la mosquée. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de déchets. Il n'y a pas trop de déchets. Il y a moins de déchets. Il y a, mais par rapport aux trois villes que j'ai visitées, Mtsamoro, Mtsara et Amjago, il y en a moins. Ici, il y en a moins, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être ici, parce qu'il y a moins de villageois. Donc ici, pareil, centre de décharge sauvage. D'accord, c'est dommage, tu vois, il y a les poules là qui se nourrissent. Bien sûr, quand on jette des déchets comme ça, le gazon ne peut pas monter correctement. Oui, voilà, zungu, wadz, wadz, les yeux,
na film za news. Bon, là, on a une autre vue ici de la plage. Très intéressant. La mer. Putain, regardez cette vue magnifique. Regardez-moi cette belle vue. Ça donne juste envie de se baigner, quoi. Hein? Ça donne une envie de se baigner. Pas vous? Je suis sûr, certaines parmi vous, ça vous donne envie de vous jeter à la mer, carrément. Aïe, aïe, aïe. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Ouais, c'est un petit peu vide, il n'y a pas beaucoup de monde là. C'est un petit peu vide, je pense que c'est la chaleur qui fait ça, que les déchets. Bon, vous connaissez la définition déjà. Alors, là il m'a dit, faut que je demande. Hey, quand on... Les quatre lignes vont nous là, quoi les joujoux. Eu para zigzag, zigzag tá o assílio jo. Voilà. Ah, ok, c'est pas grave. Yo, você é a tu que solta se a loco tungue lá curia muito ambas no am. Ué, ué, já sou eu não os lunga de situação. Eu sou não os lunga tu. Você é a tu. Você é a tu jo, tu foto. Ok, bas. Merci. Ah, merci, bas. Bom, quando tivermos tambor, vamos me tojar assim dia. Mana, c'est facile, j'arrive à m'orienter parce que c'est mon village. C'est un peu comme ça. Tu as remis zigzag. Hé, où est-ce que tu as fait? Tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de Comme la rane, oui. Ah, on ne peut pas se faire la toque. Ah, on ne peut pas se faire la toque. On va se faire un mélange. Vite, on va se faire un mélange. Toka. Quand tu es en train de se faire, qu'est-ce que tu as? Hey, namorega wanto la kole jujo. Kole. Non, foka gani but national. La 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 ba la. Ici il est encore où là bas. Oui oui. Ça c'est toujours. C'est ça. Ok ok. Oh. La 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 hariba. Matatizi zini kapoka tizini mashaka
Ça monte. Non, ceux qui me demandent que j'ai déjà visité Mzamboro, c'est mon village. Regardez les autres lives sur la page. Vous allez voir Mzamboro. Donc là, on est à Mtsangadwa, on monte vers le collège. Le collège de Mtsangadwa. Collège de Mtsangadwa, j'ai fait la moitié de mes études là. D'accord, cinquième, quatrième, yo vitesse yo. Je vais vous montrer la vue ici en montant sur le bâtiment. Regardez, regardez ce que je vous ai décroché. Regardez-moi cette vue magnifique. Regardez-moi. Il n'y a juste pas de définition là. Vous voyez? Il n'y a pas de définition. On est carrément sur du beau naturel. Hein, ça donne ça en bas. Je vous donne une vue spectaculaire. Donc vous avez ici l'îlot de Mzamboro. Et là, côté direction Akwa ici, là où on est, à Mtsangadwa, la vue ici, au centre. Donc c'est super. Nyumba Zabana là, c'est avantageux. Hein? C'est vraiment avantageux. Nyumba Zabana Rinzin Mano, toujours. Où il va aller profiter de la vue. Donc, Rissou, où il y a toujours où. Ujoho. Ah. Oh, non, lima. Tosse. Ah. Bas, capta si un magi. Vanu capti un magi, wanyo écoute. Allez. Narhe, in sport. Everyone a tchatoni de sport, be. A jet skate tem go normal e tocava nos ngami. Donc, là on va choper la route principale. Les gars ils m'ont dit. Ah. Si j'avoue, tu sais, il va aller m'adzazba. Donc, on va regarder la vue d'en haut. La vue d'en haut. Mtsangadwa, ceux qui sont de Mtsangadwa, qui sont sur le live là. Partagez pour que les gens de Mtsangadwa voient un petit peu leur village. Bon. Ici, on va monter. Ça monte. Ça monte trop. Tout à l'heure, il a plu un peu. Dans sa glisse. Hey. Alors, je vous dis ça. Namoriga van. Est-ce qu'on est là au collège? Collège de Mtsangadwa. Ah ou ndenge de hun. Wanze. Ni shikoti nhule au musenga kama. Ok. Merci. Hey, il y a de l'eau là. Il a. Odi. Voyons, c'est le gamin, hein. On va s'en prendre au foutoir, je suis allé à Harakam Totai. Hey, Mbeka Bazo. Ça, c'est pas un mec de Mtsangamouji, c'est un étranger, lui. Enfin, un mec de Mtsangadwa, c'est un étranger. Donc ici, ça descend là. Nous, on va prendre ici pour chercher le collège.
ça monte beaucoup. Ngati paratino mwana maji. Hey, bakweni hari mshe. Amalavwa maingu, vwa inyi. Ebo hari hari bako, hari. Atamati. Wey. Wey. Nyaona garel gari beka tosha pakati ya piji. Allô tout. Allô tout, c'est à tout. C'est à tout. Hein? Eh ouais, qu'est-ce que vous avez à vous? Ah, je suis un petit peu à nous. Ah, c'est où il came? C'est un arbre qui came. Oui! Ah! Ah, petit balahol. On boy. Après moi, nous avons vu Zahalambio, nous avons vu le Zahalambio. 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 Dans les villages, nous avons vu le Zahalambio. Ah, allez, vous avez vu le Zahalambio. Vous avez vu le Zahalambio. Ah oui, kuhuyo. Babo me wa flani ahurumu kuhistawa. Leo kam sala la paka ici quoi. Bon, reçu à moi pas hein. Donc, zone de décharge publique, les poubelles. Donc ici il y en a moins. Les gens ils respectent, ils mettent dedans. Hein. Regardez là. Les gens ils mettent dedans. Eh Tsangadoua, bravo hein. Parce que là, je cherchais des poubelles qui traînent, mais j'ai regardé partout, je vois rien du tout. Même au fond, là-bas, j'arrive pas à percevoir. Tsangaloua, super. Pour le recyclage, super. Là, il y a quelque chose. On a quelque chose à faire, Tsangaloua. Ouais. Vraiment, est-ce que c'est la route principale, celle-là? Je pense que oui. Oui, ça doit être ça. On va être vite fait fixé. Alors, le collège. Ma fenestre en biraha. Rahandrita ndeta. Ah, namhoué, waouh, namhoué, namhoué. Ah, je crois que le collège, il est au bout, si je ne me trompe pas. On sera fixé et arrivé au bout. Donc, et super. Ici, ils mettent dans les poubelles. Là, moi, je suis étonné. Le village de Mtsangadoua, vous avez la palme d'or. Pour l'instant, c'est le petit village où j'ai vu moins de décharges, moins de déchets. En tout cas, il y a moins de déchets, ça c'est sûr. Je peux vous le confirmer parce que j'en ai visité 3. Il y a quand même un petit peu de laisser-aller. Donc, ils posent proprement. Donc, il y a des électroménagers, bah, donc les services publics doivent venir chercher, hein, d'accord ? Ceux qui ramassent, ceux qui entretiennent, ils doivent venir chercher. Mais c'est bien. C'est satisfaisant, on va dire. C'est satisfaisant. Si toutes les villes, enfin, si tous les villages faisaient pareil, mais on serait heureux ici. Hein, parce qu'il y aurait moins de déchets. Salam alaikum. Ah, mon goût sur le vin. Miwa, c'est le vin raké. Oh, j'aura, oh, ra, ouais, 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 j'aura un gunaja, on rate ça, y'a moi. Et là, c'est mon pari, moi, raké, y'a. Raké, y'a tini. Kaya, hangou. Donc là, on arrive vers le collège de Mtsangadoua. Ici même, j'ai fait mes études ici, la moitié de mes études ici. Après, j'ai fait. Le collège de Mzamboro, d'accord. J'ai fait la moitié de mes études là-bas. Salam alaikum. Donc. Ouais, ça va. Ah ouais, ça va. Hein?
C'est déjà un Zouzvan. Non. Ouais. Oui, c'est déjà un Zouzvan comme. Ouais, nous filmons, c'est là qu'on est joué. Où les rakas, où les rakas ont fait au Kaïdi, où les mez. Ou à toi, Mana Mahunyaka, ou à toi, Korema Zahalazin, ou à toi. That's drama. Ou à toi, Oulawa. Ou à toi, Dissil. Ah ouais. Ah bah, Napoléon, tel. Hein. Ah bah, monsieur, je ne sais pas. Ah bah, c'est toi, Kofza. Ça, c'est l'un de mes amis d'enfance qui ont entraîné ensemble. Donc, un petit moment de convivialité avec, avec les amis d'enfance. Salam alaikum. Ça va? Comme je disais, il y a un petit peu de déchets, mais c'est pas aberrant. C'est tolérable ici. Donc, bel effort. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Si toutes les villages c'était comme ça, ben, ça serait super. Ça fait 24 ans, même plus encore. Salam alaikum. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Donc ici, ils déposent dedans. D'accord? Ils mettent dans les poubelles, c'est pas à l'extérieur, c'est dans les poubelles. C'est parfait. Nice. Donc voilà. Je peux aller jusqu'à Akua, mais Akua, ça sera un autre jour. Donc là, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un Mtsangadwa. Donc vous avez vu un Mtsangadwa. Ceux qui ont étudié ici, que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, vous voyez tous ces moments que je vous fais partager. Donc n'hésitez pas à partager les lives, n'hésitez pas à soutenir, d'accord? Et ça fera plaisir, d'accord? C'est votre récompense pour nous, d'accord? Et oui, parce que c'est du boulot. Donc collège de Mtsangadwa, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont étudié, que ça fait longtemps qu'ils sont partis d'ici. Bon, vous voyez, il y a juste ça qui a changé. Hein. Il y a juste ça qui a changé ici. La route aussi. Cette petite. Mais avant qu'il n'y avait que la bordure, il n'y avait que du sable ici, je me rappelle. Putain, ça date quand même. Hein. Ça a changé parce que c'était du grillage, il me semble. Ça là. Donc, il n'y a rien qui a changé ici. Putain, c'est le même bunker. Hein. Il n'y a rien qui a changé. De toute façon, ils ne vont rien changer ici. Hein. Ils ne vont pas gaspiller du budget. Mais par contre, là, c'est abusé. Là, la racine. Je crois qu'à un moment donné, il faut couper la racine pour dégager et faire du renouveau. Parce que là, c'est le bordel. Hein. À un moment donné, ça va commencer à tomber. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le bordel. Cité scolaire du Nord, collège de Mtsangadwa. Parfait. Donc, la semaine prochaine, c'est la reprise des cours. D'accord, c'est la reprise scolaire. Ça va être le bordel ici. Donc, c'est même pas la peine de venir. Donc, là, ici, direction Akwa. Et là, ici, direction Mzamboro. Donc, je vous laisse faire un petit peu le topo. Donc, le constat est très rapide. Moi, ça me fait super plaisir de vous montrer tout ça, de partager ces moments avec vous. Mais je sais pas si je vais aller à quoi. Attendez, je vais regarder. D'accord? Je vais regarder quand même.
vais regarder. De combien de distance on a ici à quoi? Si je marche jusqu'à quoi? À quoi? Donc on n'est pas loin de quoi en fait. Donc je vais gratter pour aller jusqu'à quoi pour vous montrer. Ceux qui sont là, qui veulent voir, moi je fais de la main. Depuis un moment, je suis parti en faisant. C'est super, super. Donc allons-y, on y va à quoi? Assalamu alaikum wa nyumlio. Mwezini wa nyumbole. Wananta. Une petite traîne par ici. Donc on va. D'accord. On continue toujours de la marche, de la marche. J'essaie d'être rapide. Pour aller à quoi? Parce que la caméra va peut-être couper. Va peut-être couper. En train de réfléchir un peu, dire est-ce que je coupe? Franchement, mon temps global à 1 million, ils sont. Ouais. On sait. Est-ce que je coupe? Je vais même pas faire du stop. Parce qu'avec le coronavirus, j'ai pas amené mon masque. Voilà, c'est la sentence d'aujourd'hui. Oh, pas de masque. Mais qui est de l'héros? Qui est l'héros? Putain. Bon, ça c'est pas les gens bien de village. Je pense que c'est un d'entre eux. Un petit vieux magaba. Attends, tu as pas. Salam alaikum. Ça va? Ah. Vas-y. Voilà, Zay, tchao, allez, tchao. Ah, tchao. Bon, on va essayer de courir un peu. Nzala zigzag. Ma baria hunu yo ulamt. Zala zigzag. On sera dans quelques secondes à quoi là? Donc, n'hésitez pas à partager les amis. N'hésitez pas à nous donner du courage pour tourner. D'accord? Pour vous montrer Mayotte, la beauté de Mayotte. D'accord? Beaucoup, on parle beaucoup que c'est foutu. Foutu dans certaines structures professionnelles, d'accord, mais rien n'est perdu. Bon, ici déchets
déchets sauvages. Bien sûr, vous voyez, c'est le bordel. Il y a plein de canettes. Tu vois, c'est ça que je parle. Des trucs comme ça à Mayotte, il faut pas faire ça. C'est les gens, la plupart des gens qui font ça, c'est les gens qui viennent boire leur alcool, etc. Ou des gens qui viennent faire, qui viennent déposer des décharges. Ici, vous voyez, c'est pas très propre. Les carcasses de voitures, c'est pareil. Ça va pas avec la nature, il faut le savoir. Mais on n'est pas des sauvages. Je pense qu'on est, on a, dans tous les villages, on a des capacités intellectuelles à bien réfléchir. On est conscient de ce qu'on fait. On prend bien prendre soin. Dans le les plats plus longs, les plages sont magnifiques. Non, ça doit pas se passer comme ça. Nous-mêmes, nous devons pas nous chier nous-mêmes sur les bottes. Ce qu'on a à faire pour l'île, il faut le faire à grand cœur ouvert, d'accord, avec l'argent qu'on nous donne. Dans des personnes disent en vivant, ils disent bah, je viendrai quand ça sera stable. À quoi il me reste encore du chemin à faire. Oh, vous avez vu l'antenne qui nous permet de capter, elle est en haut. Alors vous la voyez. Ici les gens, ils roulent pas doucement quand ils voient quelqu'un sur la route. Ils roulent comme des fous. Ouais, j'ai pas vu de panneau qui indique le village de Akua. Pourtant, on y est déjà. Donc, pourquoi il n'y a pas de panneau? Je me suis loupé sur quelque chose ou quoi? En tout cas, il manque un panneau pour préciser qu'on rentre bien dans le village de Akua. D'accord? Donc, on commence. On y est déjà. On est arrivé dans le village d'Akua. Mes amis, je vous présente le village de Akua. On y est. Zatme Kibush. Voilà, Tushinan Hambe, Tudiangunijo. Zatme Zalmeti, Tushtini. Voilà quoi. Bon, on va descendre un petit peu plus vite. Descends à quoi j'arrive. Ça fait 17 ans que j'ai pas vu à quoi. Alors on va voir un petit peu le développement ici à quoi et comment ils traitent les décharges, d'accord, les poubelles. Vous allez voir avec moi en même temps, on va tout observer en live. Vous allez voir, c'est nickel parce que là vous y êtes avec moi, vous y êtes avec moi. Vous allez découvrir en détail, caméra embarquée, il n'y a pas de fake là, hein. Je cache rien du tout. Vous voyez, en long, en large. La route, si vous avez un camion abandonné, c'est une épave. Tu vois, ça prend de la place pour rien. Eh oui, c'est comme ça, Mayotte. Mayotte, c'est comme ça.
Après, ils vont te dire, ah, il n'y a pas les moyens, 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 il n'y a pas les moyens. Oh, yeah, Maskin Rojo. Maskin Rojo, il n'y a pas les moyens. Zahala Bijilio. Bon, est-ce Riskatabanu ou Renge? Renge, route principale. Manavana Mokata, c'est dans la Lati, et Yosuir, Manam Tijihon. Donc, où. Boroar viré par rien, ah parce que zat me heya, voilà. Baki par rien, tini. Salam alaikum. Eh, m'kasurongo diwa hakuwa huna, m'kini mtoa gao hamzunguta m'kasurongo diwa. Dans les comme salam tout casse vite. Ouais, c'est pas mal de rouge zan quand même. Ton rouge zan est comme casse jibo. Ton rouge toi salam alaikum. T'as jump quand jibo. C'est toi un jibo ça va. Quand jibo ça va. Ah ah, c'est jibo à tout. Maintenant tu mono. Ça va mieux là. Ah ah. Bon. Alors ici les déchets ça se passe comment? Les gens ils mettent dedans. Alors c'est une bonne chose déjà. Les gens ils mettent dedans. Donc ça c'est pas c'est recyclable. Donc c'est encore toujours là et ça restera toujours là. Alors ça fait des années que c'est là, je pense. Ouh. Alors. Bon. Bon, on est rentré à quoi? À quoi? Oui, il va voir les gars, on 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 met une bouche en une maure. Ça te met. Salam alaikum. Oui, il y a des Marseillais ici. Là, il a. Hey! Lui, il est Marseillais à fond. Marseillais à fond. Bon, ici, déchets végétaux. GG à quoi? À quoi GG? À court. Ça passe. Ça passe. Ah oui, oui. Oh, c'est quoi cette maison là? C'est quoi cette maison? Putain. C'est quoi ça? Ah, le mec, il a un bac. Papa, papa, il y a des gens, ils sont... Alors, c'est quoi ce chemin là? Alors, ça mène où? Si je prends ici. D'accord? On va appréhender à quoi par ici. Donc, on va descendre ici. Ça va mener vers la plage, je pense. Donc, ça va nous mener vers la plage. Ou peut-être c'est un cul-de-sac, je ne sais pas. Ça, c'est l'école. L'école primaire.
Alors, je sais pas où ça mène. Je connais pas par cœur à quoi. Ça remonte à 17 ans, donc là, je remets juste les pieds ici. Alors, qu'est-ce que nous avons au bout? Oui, ici, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. C'est le bordel, les déchets, là. C'est le bordel des déchets là, regarde-moi ça. Ça fait des semaines que ça n'a pas été vidé ici. Hein. Oh les gars, il faut bosser un peu. Hein. Le petit terrain, le terrain de foot de Aqua, je crois. Ouais, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Putain. Mayotte, nous on est dans la merde. Salam alaikum. Hein, le terrain de foot de Aqua, ça donne ça. C'est tout petit, hein. Putain, ça a pas changé. C'est depuis. Les gars, ils abusent. Hein. Ça fait depuis 17 ans que je suis parti d'ici. C'est encore là, ça. Ça, c'est là. Ça veut dire. Ça montre en fait à quel point les gens. Ils n'entretiennent pas les terrains. Il n'y a pas de budget qui est versé là. Mais l'argent est où, les gars? Putain, on doit avoir des beaux terrains qui donnent envie de jouer et tout. Franchement, c'est assez ridicule. Hein. Franchement, il y a certains trucs, c'est assez ridicule. C'est vraiment... Bon, il n'y a juste pas de mots. Moi, je vous fais que découvrir. Hein, donc, voyez avec moi. Donc on va continuer notre chemin. C'est avec un plaisir que je vous fais partager tous ces moments, les amis. C'est avec plaisir. Donc partagez, buvez votre boisson avec le live, contemplez. Donc à quoi? On est à quoi, les amis? D'accord? Vlangaratiu, Tishtini, Aviatskaisoma, latéral. Bon, épave de voiture. Bon, à quoi je suis un petit peu déçu. C'est un petit peu sale. Bon, pour l'instant, ici, ce côté nord, c'est Mtsangaloua qui l'emporte, d'accord, en termes de propreté. Donc vous avez vu par vous-même, c'est Mtsangaloua qui l'emporte. Là, à quoi par rapport à ce que je viens de voir? Bon, excusez-moi, mais il y a des efforts à faire là. Il y a beaucoup d'efforts à faire là. Je ne sais pas ce qu'il fout, s'il dort. Mais là, c'est pas cool ce que j'ai vu. C'est très sale. Et je pèse mes mots. Hein. C'est salubre. Oh. Papa, c'est quoi que je vois noir comme ça là? C'est l'huile de vidange que je vois si noir comme ça. C'est l'huile de vidange. L'huile de vidange. Oh bordel de merde. Bon. Salam alaikum. Continue encore à être déçu. Continuons encore à être déçus. Vous avez vu, c'est noir. Là, l'huile de vidange qui vient de se mélanger avec l'eau. Et ça part à la mer. Bon vent. Bon vent, la nature. Bon, on doit respecter tout ça. C'est la nature. On doit respecter la nature. Il faut faire attention. Sinon, on va se retrouver ruiné. Eh oui.
Donc, on est à la plage de Aqua. C'est quoi ce bordel là? Regarde ça, regarde, regarde. Putain. Quelle merde. Bon, on va visiter un petit peu la plage. J'ai failli bugger là. Bon, on est en Toto. Donc là, ça, on va pas appeler plage. C'est boue. C'est de la boue, ça. C'est pas du sable. Ouais, on dirait plutôt de la boue mélangée avec du sable. Il n'y a qu'un seul bateau ici. 1, 2, 3, 4. Ici, tu peux compter. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup de pêcheurs. Donc, nous voilà dans la plage de Aqua. Dans le village de Aqua. Plutôt. Donc, je vous laisse un petit peu voir. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a trop le côté insalubre. D'accord? C'est très 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 sale. Moi, je pèse mes mots et je dis ce qu'il y a, parce qu'on doit faire attention. J'ai vu beaucoup de l'huile de vidange qui part à la mer, parce que l'ouverture de la rivière qui vient ici, ça descend à la mer et puis ça va aller dans la mer. Donc c'est les poissons qui vont ramasser toute cette merde. Donc n'hésitez pas à partager le live, les amis. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Mais ça me fait plaisir de partager avec vous, les amis, pour ce live. Ça vous permet de découvrir la nature. Ça permet de découvrir les villages, parce que on voit pas quand on est en France, on voit pas. Et ça, c'est un projet que moi je voulais vraiment mener et arriver à bout. Voilà, arriver à un terme. Donc on y arrive, on est là. Donc je vous demande juste votre soutien et votre partage aussi, et vos avis. N'hésitez pas à commenter quel type de solution qu'il faut faire à Mayotte ici. Bien sûr que je pense qu'il y a des élus qui vont se rendre compte de ce côté visuel qui fait ressortir les valeurs de notre île dans chaque village. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de motiver les jeunes, parce que les gens dorment et la nature, elle est en train d'être détruite en silence. Donc un jour, on n'aura plus rien. On n'aura pas de coraux. On n'aura rien. Et, tu as eu peur, hein? Donc voilà, on va remonter dans le village. Il y a un point plus important que je voulais souligner, d'accord? Un point plus important, c'est que les eaux usagées que vous voyez, les eaux usagées sont liées avec les égouts. Certains eaux usagées, les canalisations sont liées aux égouts. Donc ça ne doit pas venir jusqu'ici. On va trouver des eaux usagées qui sont arrivées ici, qui sortent des maisons. Et ça ne doit pas aller dans la nature. Ça doit aller dans des fosses. Et ça, on en trouve beaucoup. Les maisons ne sont pas aux normes ici. Voilà, décharge sauvage. Ici, il n'y a pas un lieu pour déposer les déchets. Donc, c'est ici. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est insalubre, d'accord? C'est insalubre parce que les gens déposent n'importe où. Il faut qu'ils déposent ici, dans les poubelles. Ça, c'est l'action à avoir pour que nous puissions avoir... des villages qui sont propres. Donc, tout simplement, c'est si simple que ça. Il n'y a rien qui est compliqué là-dedans. Hein. Mais les gens n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Franchement. Ils sont trop riches, bourgeois. Maintenant, ils sont devenus... Avant, c'était des médecines. Maintenant, c'est... 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 Yomatajir, quoi.
Donc ils ont les poubelles, ils s'en foutent. On peut entasser, 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 entasser. Coucou, ça va toi? Oh, tu parles français? En plus, elle parle français, elle me répond oui, ça fait plaisir. T'es trop mignonne. Salam alaikum. Donc, il ne faut pas que je me perds ici, d'accord? Il ne faut pas que je me perds. Donc, il y a une mosquée ici. Donc, on va prendre ici, on va prendre cette passerelle-là, cette route-là. Là. Donc, ici, nous continuons. On va prendre la route en face. Comme vous voyez. Oh, il a découpé. Bien, 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 bien. Eh, regardez, c'est génial de voir ça. Eh, au lieu de le couper, il a carrément fait la dalle ici. C'est génial. Le mec, il est génial. Ah ouais, c'est super. Ça va? Tu vas bien? Oui. Tu t'appelles comment? Babad. Hein? Babad. Ah, c'est où chez ta mère? Là. C'est là? Oui. Ah. Bon, ça fait plaisir, tu vois. Les enfants comme ça, au lieu qu'ils soient dehors, pendant la période scolaire, il y a des bibliothèques. Pourquoi les enfants ne sont pas à la bibliothèque? Pour lire, faire un peu d'histoire, tu vois. Ça serait cool pour les enfants, mais là, franchement... Salam alaikum. C'est vraiment dommage, quoi. Dommage pour l'évolution. Dommage. Il y a de l'eau ici. Hé, hey, c'est à toi, non? C'est chez toi? Je peux boire, là? Tu peux boire? Ouais. Dois pas une heure. On me soit mis juste normal. Ah, alhamdoulilah. Ah, ça va? Ça va, tu vas bien? Tu fais du sport? Oui, je viens de Mzamboro jusqu'ici à pied. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ouais, ouais. C'est un peu loin, mais ça fait du bien. Non, c'est à côté. Ouais, ouais, c'est à côté. Ouais, ouais, c'est à côté, ouais. Ouais, merci. Hé, hey, regarde ce qu'ils ont fait là. Ça, c'est pas bien, ça, regarde. Ça, c'est un poids lourd qui est passé là, non? Tu vois, quand tu mets des grilles comme ça, tu peux pas passer avec un poids lourd. C'est vraiment intelligent, ça. Hein? Ah ouais, c'est ça. N'importe quoi. Salam alaikum. Ouais. Vous voyez, en fait, il y a des trucs, on ne comprend pas. Les gens, ils ont passé des bacs, des licences, master, DUT, et ils viennent dans les villes. Ils sont élus et ça réfléchit n'importe comment. Réfléchissez, bordel. Mettez un truc en béton, ça va plus tenir qu'un truc en fer. Ou interdisez aux poids lourds. Les poids lourds, ils peuvent pas prendre. Ici, c'est interdit aux poids lourds. Alors, comment ça se fait qu'un poids lourd va emprunter ici? C'est sûr qu'un truc qui fait 3,5 tonnes, ça va perforer ça. Regardez le résultat. Le résultat de l'argent jeté en l'air pour rien du tout. Un truc tout fin. Voilà. C'est très intelligent, super. Hein. Moi j'applaudis. Hein. Super. C'est super. Quand tu vois des trucs comme ça, ça fait pas plaisir à voir. Ça fait pas plaisir à voir. Franchement. Donc à quoi il va falloir faire quelque chose là. Parce que les poubelles, ça va pas. Il y a quelques trucs qui vont pas bien. Hein. Moi, je vous le dis carrément, vous avez vu avec moi. Un petit peu déçu. Un petit peu, beaucoup déçu, là. C'est surtout pour l'environnement, ici. Je suis très déçu. Très déçu de l'environnement. Parce que les poubelles, il y a certains coins, c'est vraiment dégueulasse. Donc, ici, tu vois, ils mettent rien.
ils mettent carrément rien. Mais où vous mettez vos déchets, je sais pas. Ah, c'est là. C'est là, les amis. Eh oui, on fait une accumulation. Je sais pas combien de temps c'est. Je sais pas combien de temps c'est là. Mais ça fait un. Ça doit faire un petit moment. Je sais pas quel délai. Parce que je peux pas estimer la dureté du stationnement des déchets ménagères et des déchets recyclables. Ici, une autre école primaire. À quoi? Faut trouver la solution. Ah non, c'est la poste. Hôtel de ville de quoi? Donc, agence communale. Il y a la poste dedans. Il y a la mairie aussi. Donc, moi, je croyais que c'était une école primaire. Ok. C'est bon, les gars. Ah, le petit bazar, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Punaise, j'ai pas amené de liquide et j'ai rien fait. Qu'est-ce que je fous, moi? Il y a des litchis, même. Salam alaikum. Ça va? Punaise. Là. J'ai pas amené des pièces, mais là-bas, il va con. Diniga ou bako, tsla, la gon, bako. Ta carte bleue, ta iringa, ta iringa na liquide, bako, 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 ta bia za chia, vizin, bako. Tos miyama jitu. Be, de hairan bahun la maore. Maore, wa mo miyama jutu, volo anika, uta shahula, uta para. Yo de tomo dzuri, no tsi maore faransa, mamka. Hey, yo tini de mon babo moi. Eh, wasu sendra fani haz. Yo wasu de mon babo, yo tini yo. Triste. Alors, police municipale. Je vais monter un petit peu en haut, hein? On va aller voir. Ça, c'est pas beau. Bon. Je vous dirai qui c'est qui aura décroché la palme d'or. La palme d'or insalubre. Palme d'or sur 4 villes visitées. 4 villes visitées qui sont. Les lives sont sur la page. 4 villes visitées. Et là, on va monter un peu ici. Donc, vous avez vu. Je ne vais pas monter plus parce qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Menuiserie. Elle est garée, j'ai ma goutte d'appé. Bon. Aïe. Donc, je vous montre les axes principaux de à quoi. Oui.
Hey, c'est grave. Ah. Ah, il descend là. Ici, les gens, ils me connaissent. Hein. Les gens, ils me connaissent pas dans les réseaux sociaux. Mais avant, j'ai joué à Zanfi Club. J'étais la star du coin. La star de Mzamboro. Ça sert toujours. Donc ici, là, poubelle, voiture poubelle. Ça, regarde ça en France, c'est encore tout neuf. Regarde ça. Regarde. Tu mets un moteur là, ça fonctionne. Tu mets un moteur, ça fonctionne là. Ah oui. En Afrique, ça, tu vois pas ça en Afrique. Toutes les épaves roulent en Afrique. Toutes les épaves. Je dis toutes les épaves. Ici, les gens, ils sont trop riches. Trop d'arrogance, trop de richesse. Ils sont riches, les gens, ici. Moi, j'ai dit, vous êtes riches, les gens. Ah ouais, vraiment. Mais vraiment. Quand une voiture est cassée, ils ne réparent pas. Ils jettent. Ils laissent en épave, comme ça. Donc, arrêtez de faire ça et de jeter comme ça. Respectez votre commune. Il faut respecter la commune. Il faut respecter les efforts de la commune aussi. Parce que la commune, certaines communes font des efforts. Certains villages, il y en a, ils font beaucoup d'efforts. Donc, il est important de respecter ça. Donc, les amis, j'arrive à terme du live. Ça va? Ça va, ça va. Tu pas vraiment pas vu? Merci. Ça va, Bok? Même Neka Joël Bali Habako. Ah, c'est pas possible, Bako, histoire. Toi là, Harita. Eh ouais. Ah. Voilà. Merci hein. De rien. Ah, les gens sont serviables, c'est cool. C'est vraiment cool. Ah. Donc la commune de Akua, très sympa les gens. Ça change pas. À Mayotte ici, les gens sont très sympas. Ça change pas. Mais il faut qu'on fasse des efforts pour la nature. Salam alaikum. Voulez-vous aller voir? Donc, les amis, attendez, je dépose la caméra. Je vais déposer la caméra. Comme ça. Je vais vous toucher deux, trois mots. Assalamu alaikum, les amis. C'est Vita. Donc, on aura beaucoup d'occasions pour partager ensemble. D'accord. Il y a beaucoup d'autres villes qu'on doit visiter. Beaucoup d'autres villages plutôt qu'on doit visiter. Et j'ai hâte de vous montrer ça, de partager ça avec vous. Vous qui êtes en France, partout dans le monde, que vous voyez un petit peu ce que ça donne chez nous. Comment la vie est avant que vous venez. D'accord. Ça me fait plaisir de partager avec vous et n'hésitez pas à partager. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. Que Dieu vous débarrasse de la maladie, que Dieu vous donne de la richesse, qu'il vous donne tout ce qui est meilleur pour vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je suis en train de me faire un peu. Je suis en train de me faire un peu.